ببلوك نوت لليوم مشاهدينا مثل ما تعودتوا على طول بنخبركم عن اخر الاحداث والمعارض اللي بتصير بلبنان تحديدا ببيروت وبمعرض كيو كونتمبرري. ميز انسان هو اسم المعرض اللي حتقدم يقدم خلاله مجموعه من اللوحات للفنانه الرسامه الهولنديه كارولين دوشامبي، وهي ضيفتنا اليوم لنحكي اكثر عن هالمعرض وعن رسوماتها تحديدا. بونجور زالي بيان بيانفوني او ليبان ميرسي. دونك فوزيت لا بور لا بروميير اكسبوزيسيون بور لا بروميير فوا بروميير فوا بيروت. وي فو سونتي كومون؟ بيان Bien. Très agréable. Caroline, vous êtes née d'une mère peintre et de père architecte. Donc, vous avez vraiment grandi dans un environnement vraiment propice à l'art. Vous avez découvert votre talent. Vous aviez quel âge? En somme, j'ai vécu à la maison. Ma mère avait un grand atelier de peinture. Oui. Mais bizarrement, j'ai toujours pensé de jamais faire ça. Mm-hmm. Et en somme, la vie a fait en sorte que, voilà, je vais faire la même chose. C'était presque normal, j'allais faire ce chemin. لكن عم تقول انه كان من الطبيعي انه امها رسامه، مع انه كانت تفكر انه بحياتها ما حتعمل هالمهنه وبيها مهندس وفي يعني اتوليه كبير بالبيت، كانت تفكر بحياتها ما رح تعمل هي المهنه، انما يعني الحياه ادت فيها الى انه تصير هي كمان رسامه، وبتقول هذا الشيء طبيعي. À un moment pendant votre carrière, vous êtes installée à Paris, vous avez commencé une carrière dans la mode, dans le mannequinat. Vous étiez top modèle, vous vouliez apprendre la langue française. C'est ça. C'est qu'en somme, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, comme quelqu'un m'a proposé de faire des photos de maillot de bain, parce que voilà, j'avais les formes qui allaient bien. Et je suis effectivement partie à Paris, j'ai rencontré plusieurs grands photographes. J'ai pas mal travaillé avec Jean Le Sieff, enfin, j'ai fait des photos pour les Vogue. Mais c'était pas ça du tout. C'était pas ça. Non. Alors, 2 ans, j'ai fait ça, et après, j'ai toujours peint. Et ma vie a fait en sorte que je me suis ensemble mariée jeune, j'ai eu des enfants, mais la peinture est devenue plus forte. Mais n'empêche que j'utilise toute ma vie aujourd'hui dans les peintures, dans les tableaux. Non, mais je veux dire que quand on a cette chance de voyager autour du monde et, oui. et de savoir comment se tenir, de savoir comment faire, enfin, d'être bien, c'est une expérience, oui, que je encore aujourd'hui. Donc ça vous a enrichi votre séjour totalement. À Paris, vous a enrichi totalement. Non seulement au niveau de la langue, aussi au niveau de l'expérience, et ça se voit dans les tableaux et dans les peintures. Oui, ah, peut-être mm-hmm. on peut dire ça comme ça. Mm-hmm. Tout à fait. Donc quand vous dites qu'elle est allée à Paris, elle a appris la langue française et a commencé à travailler comme un mannequin pour les maillots et a pris des photos pendant 2 ans. Elle s'est mariée très tôt et a eu des enfants très tôt. Mais tout le temps, la peinture ou le dessin était sa passion principale et était la plus forte. Elle dit que malgré qu'elle n'ait pas suivi cette profession de top model, elle a profité de ça parce qu'elle a vécu à Paris avec ce mélange de gens, de la mode et du art. Elle a aussi متها بتابلوياتها وبرسوماتها اللي ببين عليها اليوم هالخبره الواسعه بالحياه. Vous dites Caroline que vous peignez ce que vous aimez, qu'aimez-vous? Parce que vraiment vos tableaux sont des mélanges, on va voir quelques belles choses. Oui. Je tout ce qui est beau. Oui, j'aime beaucoup la nature. D'ailleurs, donc j'habite en Suisse, dans les montagnes où j'ai mon jardin, où j'ai plein de fleurs, où j'utilise ces couleurs ou bien je peins ces fleurs. J'ai certains peintres, voilà, il y a Liechtenstein, il y a Mondrian, il y a ça c'est le graffiti, c'est autre chose encore. J'aime beaucoup les couleurs. C'est quelque chose, c'est une énergie que je passe par là. Et c'est vrai que il y a le pop art que j'aime. C'est une énergie positive. Donc, qui est très beau. Alors oui. c'est il y a 6 ans en arrière, je me suis mis en scène, en somme, devant un tableau. Mais c'était plus un peu pour rire. Mais enfin, c'est devenu un concept assez impressionnant. Qu'est-ce que vous voulez dire par « je me suis, je je me suis mis en scène » Ça veut dire qu'avant, je peignais que des toiles, donc à l'huile. Oui. Et en somme, j'ai rajouté un plexi tenu par des vis inox. Et je me suis mis carrément en scène. Là, on voit un façon miro. Et je me suis mis en scène dans un maître que j'aime beaucoup. Voilà, là, on revient vers les fleurs où je suis toujours encore dedans, on voit moins, mais je suis sur le plexi. Là, c'est les tulipes. Quand on voit, il y a l'ombre. Donc, c'est une façon que quand on est même sur un grand foire d'art, ça sort d'ordinaire parce que c'est différent.
اي سا ديفيان كونسيبت. لكن هي يعني الشغله الاولى اللي بتحرص عليها بلوحاتها هي الالوان والطاقه الايجابيه، اذا فينا نذكرها هيك بشكل سريع، شو لخصت؟ وبعد ما رسمت لمده طويله بالزيت قررت انه تحط فوق لوحاتها بلكسي جلاس وتدخل حالها هي كمان داخل الصوره لتعمل هال يعني هالافيل الاوريجينال، وخاصه لما نشوف انه رسمت ورود. دونك فوزافي اوتيليزي اي لي لي بيير بريسيوز لو بلكسي جلاس لي كولور فيف سي 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 اوتر شوز سي سي لو بيير بريسيوز سي ان سوم جي يو un Italien qui m'a proposé de faire des bijoux. Alors il me dit, oui. Moi je mets l'argent, toi ta création et on fait ensemble. Et je ne savais pas trop comment faire. Et après j'ai dit non, je ne fais pas parce qu'il faut focus, j'ai fait ma peinture. Et en somme, après j'ai pensé pourquoi pas de rajouter des petites choses. Par exemple, je sertis mon pinceau. Voilà. Uh-huh. Et comme j'ai une technique avec du plexi, ben, on peut sertir dans le plexi. Et c'est une technique très particulière. Et en somme... Ça a plu aux gens, ça a plu à moi. et c'est quelque chose, ben, pierre précieuse, ma foi, quand c'est un vrai diamant, ben, c'est joli. C'est une couleur. Qui... C'est la première fois que ça se passe qu'on met des diamants dans des tableaux, non? Je crois que Damien Hirst a déjà sorti des crânes, donc c'est pas la même chose. C'est des petits clins d'œil, ça reflète les couleurs, ça donne la même énergie, je pense, que la peinture. Que la peinture. Oui. لكن حطت يعني احجار كريمه بلوحاتها بعد ما عرض عليها احد المصممين تليان انه هو بتعمل هي ديزاين لمجوهرات، قررت انه تحطهم بتابلويات لانه بدها تركز على الرسم ما كان بدها تركز على المجوهرات. On dit que vos tableaux sont immédiatement, votre travail est immédiatement reconnaissable. Ah, mais je pense que à quoi? À l'énergie, à l'énergie positive. Comment je me mets moi devant, donc on peut louper. Hein? J'ai dedans. Oui, c'est vrai qu'on le voit de loin. D'ailleurs, quand je fais des expositions, personne ne veut être à côté de moi. Parce que si moi je suis à côté, bah, on voit que mon tableau. Parfois, on a un style. Et bizarrement, tu peux pas faire autre. Hein. C'est un style qui est très, très visuel. Hein. Très simplement. Voilà. لكن ستايلها هو اللي بخليها تبين. عم تقول انه هي موجوده باكثر لوحات من هيك بنعرف انه هي، بس حتى لما تكون مش موجوده ستايل الخاص فيها بخلي الناس تعرف انه هيدي اللوحه هي لكارولين دو جامبي. كارولين دو جامبي، vous dites que vous rendez hommage dans cette exposition aux grands noms de l'art contemporain. Lesquels, quels noms et pourquoi? Ben, en somme, bon, déjà Mondrian, c'est un Hollandais comme moi. Je dis souvent c'est quelqu'un de la famille, mais c'est pas vrai. Okay. Quand on lit leur parcours, c'est en somme, ils commencent avec des portraits, après c'est des scènes de la nature, et après on minimalise, et après... Et en somme, un jour ils avaient mon âge, et pourquoi pas se mettre dans leur peau et de le faire vivre autrement, et je me mets moi-même devant. Donc c'est vrai que c'est un peu osé, c'est gonflé, mais... Je suis persuadée si maintenant en haut ils me regardent et disent bravo Caro, tu l'as fait. لكن قررت تخصص هاللوحات لبعض الاسماء الكبيره بال يعني بالارت كونتمبوران مثل موندريان وغيرهم، بما انه هو من ذات الجنسيه ويمكن هذا فيها جرأه مثل ما عم بتقول، بس لا شك انه هن بيكونوا سعيدين بشي محل بالدنيا اذا بيكونوا عم يشوفوا تابلويتها. كارولين دو شامبي رح تكون موجوده مشاهدينا بين 7 و30 افريل ببيروت، تحديدا بجاليري كيو كونتمبوري تحت عنوان ميز اون سين لكل اللي حابين يتابعينا. ميرسي بوكو، جو فو سويت بون شانس بور exposition. J'espère que ça sera pas la dernière fois au Liban. Moi aussi. Merci. Allez, on va prendre un break, mais après on va continuer. Restez avec nous.